Bonsoir à tous, bienvenue sur mon live. Ce soir, on va continuer le chasseur, mais attendez une seconde, je fais une petite... Je me prends un tableau PVC. Me prends un tableau PVC de Xatat. Parfait comme ça. Excusez-moi, je suis extrêmement silencieux. Attendez, parce que aussi... Oui, c'est vrai! Merci NicoCSS pour ton sub Prime, pour ton Prime, merci d'avoir claqué ton Prime. D'ailleurs, tu as le droit à la petite... Bah alors, allez! Une alerte, oh, j'ai pas mis les alertes, tu vois. Oh là là là, non, je refuse. Je vais régler ce problème immédiatement. Ça n'arrivera pas chez moi. Donc attends. Déjà, copier. Coller. Coller. Et ensuite. Ouais. Et donc ensuite on fait copier. Coller. Oui, voilà. J'oublie que je peux aussi faire ça, donc. Merci! Merci pour ton prime! Pourquoi c'est un tout petit? Attends, ou alors c'est juste moi, ou alors c'est juste l'impression. Attendez, on recommence. Ah, mais oui, c'est transparent! Ah, le fond vert! Ah, je pleure. Pourquoi ça fait fond vert, d'ailleurs? Je crois que c'est parce que j'ai des trucs qui... Justement, je crois qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'un fond vert, justement. Ah, c'est un peu bête. Attendez une seconde, je vais regarder mon fond d'écran, en plein écran. Ah oui, mais ça fait dégueu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quel dommage. Attendez. J'ai besoin de régler ça. Attendez, déjà, je pense que je vais le mettre ici. Mais je vois même pas. C'est scandaleux, mais attendez une seconde, je peux pas laisser ça comme ça, je peux pas décemment, c'est moi, hein, je fais patienter, je perds du temps, mais je ne peux pas décemment laisser ça comme ça. Après tout, est-ce que j'ai encore besoin du fond vert de toute façon? Je crois que non, je crois que j'ai pas besoin du fond vert de toute manière. Oui, j'ai besoin d'un fond vert. Mince! C'est parce que oui, parce qu'il y a un nouvel abonné, mais du coup, forcément, oui, l'abonnement, oui, je sais. Ah, oui, je vois. Bon, bah, attendez. On va régler ça. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas quelque chose que je peux qualifier de problématique. Voilà. On va faire. Hein. Ce qu'on va faire, mesdames et messieurs.
Le pire, c'est que... c'est même pas affiché sur le rendu. Et c'est ça qui est triste. Donc attendez, si je fais ça, et que je le rebalance... ah bah d'un coup, c'est mieux. Mais même, le texte, il va pas bien. Forcément. Le texte, il va pas. Le texte ne va pas. Oh non, mon fils s'est réveillé. C'est la fin. Attendez une seconde. Quelqu'un, je lui donnerai ta caisse. Hop, alors, du coup. En vrai, ça me saoule parce que je suis obligée de. Oh. Bref. Alors, le problème, c'est que je sais pas comment faire pour faire en sorte que le texte, on le voit. Comment je peux faire? Je pense que c'est des questions existentielles que je me poserai à un autre moment. Mais c'est vrai que c'est problématique dans le sens où... ouais, cette moche. Le problème, c'est que les nouveaux subs, du coup, et c'est soit en fait les nouveaux subs sont affichés. Ça me saoule un peu quand même. J'aimerais bien pouvoir afficher la transparence des images, mais de voir à chaque fois... ah voilà, ça... bon, à chaque fois faire ça, ça me saoule. Enfin bref. Pas grave. Hein. Blanc sur blanc, c'est génial, punaise. C'est exactement ce à quoi je pensais, punaise. Hein. C'est vraiment trop bien. Du blanc sur blanc. Meilleure idée, bien sûr. Je peux même pas changer la couleur, ça m'énerve. C'est possible, mais bon, je suis trop... je suis trop inconnue dans ce genre de choses. Variable d'alerte, on s'en fiche. Oui, non, on s'en fiche. Bon, c'est pas grave, on a déjà perdu assez de temps. En tout cas, merci beaucoup, Nico CSS, pour ton prime. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait très plaisir. Tu peux maintenant accéder. Tu peux maintenant accéder si tu es, si tu vois un jour cette VOD, si un jour tu la vois, si tu es là et que tu la vois. Bref, si tu as... en tout cas, la possibilité de voir, tu peux maintenant accéder à ces deux émoticônes. Ces deux émoticônes sont à toi. Tu peux les utiliser, tu peux les spammer, tu peux en faire ce que tu veux. Elles sont à toi. Elles sont à toi. Pour une durée d'un mois, bien sûr. Jusqu'à ce que tu décides de te réabonner. Mais elles sont à toi pendant un mois. Eh, quand même. Eh, moi j'y ai accès tout le temps, tu vois, parce que bon, forcément... forcément, voilà, j'ai mis de ma poche, mais voilà, dis-toi que chaque petit sou que tu mets dans ma tirelire, c'est un artiste heureux. J'adore balancer cette phrase qui veut absolument rien dire. Incroyable. Attendez, je fais juste une petite pub, du coup, pour le tableau que je viens d'acheter. Voilà. Commandez prêt. Excusez-moi. Mais d'ailleurs, je vous montrerai après le tableau en question. Je vous montrerai le tableau en question.
Bon, après, au pire, c'est pas grave. Je me renseignerai de mon côté pour les alertes. Je sais pas. Peut-être pas sur Twitch, du coup, les alertes. Peut-être ne pas faire d'alerte sur Twitch et complètement partir sur Triggerfire. Parce que je sais que Triggerfire, j'avais fait tout. C'est pas Triggerfire après. Triggerfire, c'était autre chose. Triggerfire, je crois que c'est. Oui, non! Non! Triggerfire, c'est autre chose. C'est pas ça. C'est Streamlabel, je crois. Streamlabel. Non, pas Streamlab. Streamlabel. Dites-moi. C'est quoi ça? Je veux Streamlabel. Ah, mais non, pas Streamlabel. Qu'est-ce que je raconte? Attendez une seconde. Attendez une seconde, j'ai n'importe quoi. Ce mec dit des cracks, les gars. Ce mec dit des cracks. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, je suis dans l'expectation. Ah, donc moi c'était le chat. Ah ouais. Stream Element. Stream Element. Oh, pas Stream Label. Oh, quelle aberration. Stream Element. Eh oui, mais c'est ça. C'est ici en fait que je suis censé faire les. C'est là-dessus en fait que je devrais faire mes alertes parce que. Twitch, c'est bien sympa, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu limité. Waouh, j'ai un sponsor. Red Shadow Legend. Gagné jusqu'à $316. Oui, jusqu'à $316. Ah, tes widgets, overlay, voilà, c'est overlay. Ouais, chatbox, mon nom de gift, tout ça, c'est tout ça que je vais utiliser. Mais du coup, je peux faire plus de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer le tableau de Xalatat. Voilà. Bref, je vais vous montrer du coup le tableau de Xalatat. Je vais faire ça. Pourquoi j'ai Xavier Niel? Je comprends pas. Ouais. Il a l'air trop bien, les amis Nil. Ça fait beaucoup là. Il est incroyable. Putain, je suis mort. J'ai fait 121 postes, c'est que des bangers. Vas-y, je le suis. Bon bref, je me casse. Accueillir, voilà. Ça suffit. Bref, donc ce soir on va partir sur le chasseur. Ça suffit. Je suis restée trop longtemps à faire des choses incroyablement inutiles. J'ai failli oublier bien sûr le plus important, vous montrer le tableau. La tête. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Donnez-moi ça, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Attendez, hein, je vous dis de regarder, mais c'est pas fini. Xalatat.
Donc attention, regardez-moi. Non, c'est pas navigateur, tu fais exprès. Image, image 2. Parcourir. Bureau. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs. Parce que bien sûr, mesdames et messieurs, ben oui. Attendez une seconde, je vais vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi je suis hystérique. Attendez. Seconde. C'est où? C'est là. C'est une grande, trop grande icône, là, par contre. Affichage. École moyenne. École moyenne, c'est bien trop peu. Ce que je veux maintenant, c'est un affichage en grande icône. Merci. Donc, parce que t'es wéwé, les gars. Déjà, les gars, t'es wéwé. The War Within. Je suis désolée, mais déjà, on va avoir des trucs turbo stylés comme ça, les gars. On va avoir une qualité. Bon, après, ça, c'est pas du gameplay, hein. C'est juste un joli dessin, mais... Mais putain! C'est un joli dessin! Un joli dessin! Il y a que des cailloux et du bois sur cette image, mesdames et messieurs! Il y a rien d'autre! Ouais, je crois... Alors, j'ai peur que ce soit de la zérite, là, sur la droite. Mais sinon, c'est super beau! Et là, regardez, la moine, du coup, elle s'est dit... Tiens! Et si je faisais un banger? Eh ben, la moine a fait un banger. La moine a fait ce tableau de Xalatat. C'est juste incroyable. Si on a que des bangers visuels comme ça. Mais je vais être pauvre déjà pour commencer. Mais ensuite, l'art va être incroyable. Dites-vous que je vais... Regardez, Art by Namoine. Imprimé ce nom. Attendez. Hein? C'est important. Vous voyez bien, voilà. Alors, vous voyez, Namoine, N-A-M-W-H-A-N, vous l'imprimez dans votre cerveau, vous l'écrivez quelque part même, et vous allez voir sur son site, et il y a des tonnes de dessins, et de tableaux PDC, de marque-pages, d'emotes, il y a même des emotes, il y a tout ce que vous voulez, c'est incroyable. Ce n'est pas une sponsor, je ne suis pas payé pour. De toute façon, je ne suis personne, donc... je pense que les marques auraient des soucis à se faire si je voulais... Bref, mais super stylé, super beau, ce petit dessin de... Ah, attendez une seconde. Voilà, CTRL-Z. Ce tableau de Xalatat, il est juste incroyable. Juste incroyable. Regardez. Moi, personnellement, regardez ce que ça m'inspire. Regardez. Déjà, vous avez Xalatat qui est juste incroyable. Son skin est incroyable. Bon, ça fait un peu penser... Ça fait beaucoup penser, justement... Attendez, j'ai pas le chat à côté de moi. Pour après, je vais mettre. Ça me fait beaucoup penser à Kael'thas. Je pense que l'inspiration, c'est une elfe. Enfin, c'est pas une magicienne. Bon, j'imagine que ça va être une magicienne. Magicienne elfique. Je pense qu'ils se sont dit on va faire une Kael'thas femme, voilà. Ou alors l'inspiration n'est pas du tout ça, mais ça fait beaucoup penser à un Kael'thas quand même. Avec les orbes sur le côté qui flottent, les épaulières un peu sophistiquées, le fait que ce soit une elfe, oui c'est un peu facile, mais personnellement, j'y vois... Alors attendez, parce que je vois si j'ai pas une voix bizarre depuis tout à l'heure. J'ai été eu. Ça fait 24 minutes que je vous parle avec une voix ridicule. C'est parfait. C'est tout ce que je voulais. Ah mon dieu. Bref. Du coup, pour retirer ça d'une voix normale, une voix sérieuse. Vous imprimez, voilà, vous imprimez bien le nom Namoine dans votre cerveau, vous l'imprimez même en vrai, vous le collez sur le frigo, vous prenez un ou deux dessins, je peux vous assurer, vous ne le regretterez pas, votre intérieur ne sera que plus beau. Regardez-moi ça, une œuvre d'art. Parce que personnellement, déjà ça me fait penser, bon, il y a forcément l'elfe, regardez son voile, genre on dirait je sais pas moi, ça fait penser un peu à l'espace, le vide, ça fait, personnellement la cape là, j'aime beaucoup l'effet qu'il y a sur la cape, et puis aussi le fait est que vous voyez cette part sombre, vous voyez genre comme ça à l'encre, vous voyez il y a de l'encre qui a goûté, c'est de l'encre et tout,
Et genre, vous avez des sortes de petits. Justement, des petites taches d'encre ici aussi. Ça me fait trop penser, justement. Je sais pas pourquoi. C'est dans ma tête. Ou alors, c'est juste moi. Je suis complètement parano. Complètement matrixé. Mais j'ai l'impression que ça fait vraiment genre caverne. Vous voyez, bah justement, le fait est qu'on va aller dans des cavernes. Et que, bah justement. Justement, ça va être. Bon, bien sûr, toutes les cavernes ne sont pas sombres. Mais là où va être les. Comment ça s'appelle ? Les Nérubiens. Là où sera les Nérubiens et où Xalatath ira. Et eh ben, ça va être une caverne un peu sombre, donc moi personnellement, ça fait beaucoup penser le décor comme si elle y était, vous voyez. Parce que, attendez, je vais essayer de vous montrer. Comment ça s'appelle déjà ça s'appelle. The War Within. Zone. Toutes les infos sur la deuxième extension. Oh non, non, pitié, pitié, pas la. Oui, Judge Hype, oui, Judge Hype, oui, Judge Hype, merci. Un système de gestion des haltes, on s'en fout. Ce que je veux voir, c'est les zones. Je veux le nom des zones. On s'en moque. Ah, donne le nom. Ansurek, ouais bon, Ansurek, on s'en fout. Ashkaet, voilà, Ashkaet. Ashkaet. Genre, regardez, par exemple, moi personnellement, voilà. Personnellement, après ce n'est que mon interprétation, bien sûr. Moi personnellement, je vais le dire beaucoup de fois, moi personnellement. Ça me fait beaucoup penser, genre le fond justement en fait me fait penser un peu à ça, ça vous ne voyez pas. Moi ça me fait beaucoup penser à ça, vous voyez, alors attendez, vous allez voir, vous allez comprendre ce pourquoi je dis ça. Alors vous voyez, le toit un peu sombre, vous voyez, ça me fait penser un peu à ça justement. Mais je pense qu'après ce serait mieux en fait d'aller voir directement sur le trailer au moment où elle apparaît, je pense que c'est un peu plus évident dans ma tête. Là vous voyez un petit peu cette, justement cette petite brume claire, vous voyez, que vous voyez là en fait. Moi clairement ça me fait penser à ça. Cette petite brume claire au milieu. Et bon, après le reste, ça fait partie d'elle, vous voyez, mais du personnage. Mais après, genre, je veux dire, ça me fait clairement penser, tu sais, au plafond de la caverne. Ça, à la sorte de brume qui a sur la ville d'Ashkaet. C'est, personnellement, ça me fait beaucoup penser à ça. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, du coup, justement, le personnage est bien ancré dans le lieu dans lequel il va apparaître, vous voyez. C'est pas juste, on fait. C'est pas juste, elle a pris Xalatath, elle l'a foutu derrière, je sais pas moi, dans un endroit pas logique. Elle a vraiment pris un endroit dans lequel c'était logique. Après, je suis sûr, c'est dans le trailer. Attendez, je vais regarder. Enfin, on va regarder ensemble le trailer. Je vais juste trouver le trailer. Alors, The War Within FR, voilà, c'est parfait. Voilà, aperçu les fonctionnalités de The War Within, on va mettre en pause. Je vais vous le montrer, comme ça au moins, on regardera ensemble de toute façon. Mais ça, je vais rajouter une source navigateur. Voilà. Non, pas une source navigateur du coup. Pas une source navigateur. Je vais rajouter une capture de fenêtre. Je crois que c'est capture de fenêtre. Parfait. Aperçu des fonctionnalités The War Within. Voilà. Voilà. Ça, vous pourrez voir un petit peu. Attendez une seconde. Parce que... Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, attendez une seconde. Je vais lancer. Voilà. Alors, ah oui, est-ce qu'on entend? Parce que, attendez. C'est vrai que, du coup, avec la musique, tout. Désolé, le rêve, on va te la faire boucler 2 secondes. Je vais vérifier qu'on entende bien. Voilà. Non! Ah, oh, punaise, bien sûr. Je vais te faire des retours et tout, c'est un peu énervant. Voilà, parfait. Donc. Mes visions sont différentes des autres.
aucun éclat. Aucun chant. Seules les ombres qui me narguent. Seules. Alors déjà, vous voyez, ça me fait beaucoup penser, justement. Ça me fait, encore une fois, ça me fait penser un petit peu au décor qu'il y a derrière Xalatat sur le tableau. Enfin, vous m'avez compris. Mais bref, ça me fait beaucoup penser, justement, c'est aussi ce gouffre, en fait, béant, justement, qui s'ouvre sur quelque chose de peut-être encore plus insidieux, bref. Les ombres qui me narguent. Depuis les ombres qui me narguent. Les ombres qui me narguent. Et encore une fois, vous voyez cet effet derrière justement que Xalatat là tout de suite, ça me fait penser beaucoup à ce qu'il y a sur sa cape. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'il y a sur sa cape. Et je remonte. Voilà. Ce qu'il y a sur sa cape. Attendez. Ce qu'il y a sur sa cape, vous voyez, ça me fait penser à ça justement. Encore une fois, peut-être que je vois trop loin, peut-être. Mais vous voyez que, genre, quand même, ça, il y a des similitudes, je veux dire. Des petites étoiles dans le vide et pareil sur la cape. Moi, je trouve ça très stylé. Après, encore une fois, ça doit être sur le personnage en lui-même. Mais j'aime beaucoup. Depuis les profondeurs. Alors, par contre, ça me fait beaucoup penser à la caverne de Zaralek. Avec les champignons ou avec les grosses colonnes aussi, mais ça doit être des champignons ça aussi. D'ailleurs, je pense que Malganir va être content, il va en avoir des champignons de toutes les couleurs avec ça, avec cette extension. Depuis les profondeurs. On va jouer ici, les gars! Bon, la montagne, elle fait quand même vachement plus petite que ce qui était présenté sur les artworks et tout. Mais en vrai, on s'en fout, c'est une grosse montagne quand même. Mais, oh, mais regardez-moi cette île! Comment elle est trop belle! Bon, déjà, à droite, c'est sûr, ça va être les commissaires priseurs, vous voyez, avec la petite balance, justement. Alors, ça, là-haut, je suis désolé, mais absolument, il faut que la forge soit là-bas. Je veux pas une petite forge à côté, non. La forge, elle est dans ce bâtiment. Je n'accepterai rien d'autre. Je n'accepterai rien d'autre, de toute façon. De toute manière, je n'accepterai rien d'autre. Je n'accepterai rien d'autre. Salut, Neko! Comment vas-tu? Merci pour ton sub. Merci beaucoup d'avoir sub. T'as sub hier, du coup, mais je le vois que maintenant. Et du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton prime. Tu peux accéder. À de nouvelles emotes, à des emotes incroyables que tu vas pouvoir étaler partout. Évite de les étaler partout, par contre, bien sûr, de tâcher le chat des autres, mais tu peux te contenter de les placer de façon tranquille. Tu te dis, oh, regardez, j'ai des emotes, elles sont cool. Bien sûr, tu peux même cliquer dessus. Et normalement, elles ont été assignées aux artistes, voilà. Bien, et toi, et de rien. Eh bien, en tout cas, merci encore à toi. Et sinon, oui, je vais très très bien. Demain, je ne fais que 2 heures de taf. Ce soir, je stream sur mon chasseur. Demain, soir, je joue à LOL. Donc finalement, ça ne va pas si bien que ça. je jouerai pas à LOL en stream, bien sûr. Parce que si je tombe encore sur un Shogat avec 13 de stack à cause de moi, ben, je vais pleurer. Voilà. Bref. Et du coup, là, j'étais en train de regarder la cinématique pour voir si j'avais raison, tort, enfin bref, si ça pouvait appuyer mes propos. Parce que, en fait, tu vois, genre, je me suis payé ça. Parce que, attends, voilà, excuse-moi, il faut que tu vois bien le titre. Namwan, voilà. Si tu as besoin d'un tableau à propos de World of Warcraft, d'autres choses, je te conseille d'aller voir là-bas en premier parce que vraiment, les tableaux sont très très beaux. Regarde-moi ça! Ça, c'est Xalatat. Regarde-moi ça, comment elle est magnifique. Regarde-moi ça. Ah, moi, là, les dieux très anciens, direct, hein, elle me parle. Oui, oui, c'est ça, les dieux très anciens, je suis pour eux. Pff, pas de problème. Enfin, bref, mais vraiment, elle est très, très... Et du coup, je voulais, en fait, voir si dans le trailer,
Tu vois, en fait, le fond qui a Xalatat, ça me fait beaucoup penser, je sais pas moi, une caverne, à la caverne justement qui est présentée, à la caverne des Nérubiens, qui est présentée justement dans le trailer. Et je. Alors, parce que, attends, ouais, parce que. Ou, moi, je... tu vois, parce que du coup, moi, je voyais beaucoup, en fait, le fait est, tu vois, cette part sombre, tu vois, qui est représentée là-haut avec les taches d'encre en haut, tu vois, ou même sur les côtés, en bas. Et ensuite, tu as cette petite brume, tu vois, claire, que tu retrouves ici, tu vois. Sur la droite, sur l'image de droite, tu vois à droite, il y a une sorte de petite brume claire. Et ben moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à celle qui est justement présentée derrière Xalatat. Et j'étais en train de regarder du coup le petit trailer de gameplay, aperçu des fonctionnalités, pour savoir si j'avais raison. Donc on va l'admirer encore une fois, parce que moi, je la regarde encore pour une énième fois. Mais regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Mais c'est pas magnifique! Regarde les zeppelins! Regarde-moi ça! C'est pas une épée du coup, c'est pas, enfin, c'est pas l'épée avec le sang cristallisé d'Azeroth, c'est vraiment. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un Naharu et ça, clairement, il y a de fortes chances que ce soit un Naharu, mais de cette taille quand même, ça c'est énorme. Mais bref. Et du coup, là, regarde-moi ça! Regarde-moi ça, cette inspiration néo-gothique! Je sais pas comment. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est néo-gothique, mais. Vraiment, les zones sont magnifiques, mais Sainte-Chute est magnifique. Mais oui, mais toutes les zones sont magnifiques. Toutes les zones ont leur petite âme qui est sympathique. Et vraiment, genre que ce soit Azkaët, qui est un mélange quand même beaucoup de Ankaët et Azul-Nérub, je peux pas m'empêcher d'y penser. Mais bref, mais Azkaët qui va être magnifique, ça va être une ville nérubienne. Avec des Nérubiens vivants, genre, parce que des Nérubiens vivants, on en a vu très peu, on en a vu qu'une poignée, et c'était pendant Wotelka, on n'a même pas plus exploré que ça. Ashkhed, j'ai trop hâte de voir ça, même si ça va être une Sur-Amar 2.0 avec un système de phéromones et tout ça, mais ça, je te spoil pas plus. Mais bref, genre, l'île de Dorne, rien que l'île de Dorne, même si c'est la seule zone en extérieur, elle est incroyablement belle. T'as du coup la zone de Sainte-Chute qui est splendide. Alors, personnellement, Sainte-Chute, ça me fait beaucoup penser. Ça me fait penser à un mélange entre Revendreth, Gilneas. Revendreth, Gilneas. En fait, ça me fait beaucoup penser Revendreth et Gilneas, tu vois, avec justement le fait que il y ait des châteaux en hauteur, tu vois. Ça fait un peu justement manoir de vampire, mais tout en restant forteresse humaine, tu vois. Et j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup ce mélange. Il est vraiment. Et déjà, reprendre du Ravenreath, pour nous, c'est vraiment trop bien. Parce que vraiment, Ravenreath, c'était déjà très très joli. Mais là, c'est vraiment pouvoir le reprendre et refaire une sauce Ravenreath tout en relevant ça à la sauce humaine. Je suis désolé, mais ça fait un poulet. Ça fait une sauce pour le poulet qui s'annonce. Juste incroyable. Parce que même si l'histoire peut être bancale, je suis désolé, les zones, elles sont incroyables. Moi, personnellement, je vais pex dans ça va être incroyable. Hein. Moi, je vais m'arrêter toutes les 10 secondes pour prendre des photos. On va me prendre. On va, je vais pouvoir rejoindre l'expédition du Drakkar là. Mais oui, Sainte-Chute est incroyable. Sainte-Chute, j'ai fait un screen là, mais en vrai, chaque seconde, tu peux prendre un screen sans problème. Regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Mais regarde-moi ça! Oh! Oh là 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 là. Bon, en vrai, les arbres sont dégueux. Si tu prêtes pas trop attention, tu remarqueras pas que les arbres sont mal modélisés. Mais c'est quand même joli. C'est quand même joli de très très loin, tu vois. C'est vraiment magnifique. Bon, ça, les bataillons, forcément. Alors, les talents héroïques, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. La race alliée terrestre. La race alliée terrestre, j'espère que ça ne va pas détruire. Enfin, ça ne va pas voler. Enfin, ça ne va pas voler la place au Lord des Nains. J'espère que ça va permettre de l'aborder. Peut-être de l'approfondir. Peut-être de l'avancer un peu plus. J'espère qu'on reprendra le Lord des Nains très vite, parce que là, il est un peu au point mort. Un peu au point mort depuis, je sais pas, depuis un petit moment, quoi. À part 2-3 apparitions de Moira. Falstad, il a fait une rapide apparition en BFA, je crois. Muradin. Il attend son heure depuis Wotelka. Ah, le pauvre.
Oh mon dieu, c'est vrai. Du coup, t'as quand même Ayra qui se sort les doigts en fait, c'est incroyable. Le vol dynamique, bien sûr, qui est incroyable. Pas incroyable, c'est logique qu'on allait avoir le vol dynamique pour les autres montures. Ça allait pas rester pour les dragons. Par contre. Alors, je me pose une question. Alors, ici, ok, c'est des griffons. Et en fait, ce truc, vous voyez, quand il frappe, il fait des dégâts. Vous voyez, ça fait apparaître un tentacule. Genre, ce machin, du coup, doit être un machin du vide. Mais c'est dans une forge. Donc. Après, je sais pas ce que ça peut être. Mais un machin du vide. Un élément. Enfin, pas un élémentaire, mais. Un élémentaire de terre qui a été infusé par le vide. Je me demande pourquoi, en fait. Genre, j'aimerais bien savoir pourquoi. En plus, il y a... vraiment, ça a l'air d'être un cristal du vide, mais à côté d'une forge naine, je ne comprends pas. Je n'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. Alors, par contre, ça me fait beaucoup penser à un gros cultiracien paladin. Et du coup, ça me perturbe beaucoup. Parce que vraiment, c'est le gros avec ses ailes. Le gros avec ses ailes. Surtout que les ailes du paladin, ça fait absolument aucun sens. Mais bon, c'est stylé. C'est Burning Crusade. Donc tout le monde va être très content de voir ça. En vrai, moi, je trouve ça stylé aussi. Mais ça fait pas beaucoup de sens. Le sort de notre monde repose sur le fil d'une lame. Tu vois, genre justement, c'est ça que je voulais dire. Justement, c'est cette petite brume claire que j'avais pu voir justement sur le fanart. Attends. Voilà. Sur le fanart, tu vois, cette petite brume claire justement qui me fait penser à ça. Ça me fait beaucoup penser justement à la brume un petit peu au milieu justement. Et après le bas, il n'y a pas plus. Mais sinon, les taches d'encre qui me fait penser aussi beaucoup. Que ce soit au bâtiment, vous voyez. Enfin, tu vois même, regarde là, tu vois ce petit truc sur la droite, genre cette petite tache d'encre, enfin cette petite tache d'encre sur la gauche, tu vois qui forme un triangle, ça me fait beaucoup penser au bâtiment à gauche du coup. Je suis matrixé, c'est incroyable. Mais. Bon, je vais refermer ça du coup. Et le combat nous attend dans les tréfonds. Et du coup, c'est. Du coup, vraiment, vraiment, c'est incroyable. Genre, même ses yeux, je trouve ça. Et le combat nous attend dans les. Et justement, ses yeux, si, en fait, si tu fais bien attention, ses yeux, bon après tu dois peut-être le savoir, mais ses yeux, en fait, justement, genre j'avais pas remarqué avant, mais... Non, Attendez, ouais, voilà. Voilà, c'est bon, j'ai. Du coup... Ah oui, mais c'est WebP, mais punaise, mais qui fait du WebP, ça me saoule. Attendez. J'espère que le WebP, ça va pas poser problème. Le WebP ne pose pas de problème. Bon. Voilà, donc. Là où je voulais en venir... Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Donc voilà, mais tu vois, genre, ses yeux, tu vois, ça fait un peu penser justement à au logo de Midnight, justement. D'ailleurs, tu vois que... Alors, attends. Parce que maintenant, je suis en train d'extrapoler. Ça y est. Alors, saga de l'âme monde. Je tapais ça tout bêtement. Image. Et World Soul Saga, du coup. Enregistré. On va voir OBS. On va voir là. Propriété. Parcourir. Extension. Là. Ok. Alors, par contre, calme-toi, c'est grand. Voilà. Calme-toi, calme-toi. T'es trop grand. Donc, déjà, tu vois. Un truc que j'avais pu remarquer, c'est que tu vois que The War Within, déjà, tu vois que le machin est cassé, tu vois. Que le machin se brise, que le logo derrière se brise. Ensuite, tu as Midnight, tu as le logo également qui se brise, tout en laissant s'échapper un petit peu de vide, de ténèbres.
Et aussi, tu remarqueras justement ce que je voulais en venir au début. Ses yeux font penser à une éclipse, justement. Je sais pas toi, mais personnellement, ça me fait beaucoup penser à une éclipse. Et surtout, justement, au fait. Enfin, comment dire ça? Pas une éclipse lunaire, parce que j'ai pas envie de faire l'amalgame. Enfin, j'ai pas envie de faire le rapprochement avec les druides et tout, ce serait vraiment très con. Et non, ça me fait vraiment penser au logo de Midnight, tu vois. Et justement. En bas, tu vois que c'est clair, et ici, tu vois justement en bas du logo de Midnight que c'est clair aussi. Du coup, ça me fait beaucoup penser à ses yeux. Et tu remarques qu'à la fin, The Last Titan, bah, genre le logo, il est réparé, et t'as même un deuxième anneau qui apparaît, tu sais pas trop pourquoi. D'ailleurs, j'ai très envie d'aller chercher encore plus loin. Je vais chercher encore plus loin. Où t'as The War Within, enfin, The War Within qui est là, tu sais, c'est brisé et tout. Qui représente notre monde. Là, ça représente pas grand-chose. Attends, peut-être que. À la base, c'était un live pour le chasseur. Hein. Bon, voilà, voilà. Bref. Donc là, tu vois, t'as. Je sais pas. C'est brisé. Il y a du vide. Mais j'arrive pas à reconnaître ce qu'il peut y avoir derrière. Ces deux petites étoiles sur la droite, juste en haut du A de Warcraft, deuxième. Ça me fait beaucoup penser, je sais pas, à des yeux, peut-être. Mais bon, il y a d'autres étoiles quelque part. Mais elles sont étrangement proches, donc ça me fait penser à des yeux. Après, du vide ténébreux au milieu. Et là, sinon, The World of Warcraft, The Last Titan. Et là, c'est carrément tout un anneau, enfin deux anneaux comme ça. Tout réparé, tout jaune, tout beau, tout ça. Bref, je ne sais pas ce à quoi on va s'attendre. Mais personnellement, je suis très, très, très content de la prochaine extension qui va s'annoncer juste incroyable, bien entendu. Bien entendu, c'est vraiment trop trop cool. Alors c'est bien que tu parles dans le chat, du coup ça me permet de vérifier si ça déconne un peu. Ça déconne un peu. Ça déconne un peu, mais c'est pas grave. C'est simplement tes deux petits circonflexes qui sont partis. Mais ça va, c'est acceptable. J'accepte cette chose. Ah oui, du coup j'ai voulu. Ah oui. Le problème, tu vois, alors c'est que en plus de ça, je sais pas pourquoi il y a un fondu dégueulasse sur la fin, avec un fond vert. Bref, il faudra que je refasse mes alertes. Je les avais faites il y a longtemps, je m'étais dit c'est bon, ça passe. Et au final, non, ça ne passe pas. Ça ne passera pas, ça ne passe pas du tout. Mais bref, en tout cas, je l'ai déjà passé, je l'ai mis, et du coup, voilà. Il faudrait que je les refasse de toute manière, j'ai pas le choix, c'est malheureusement. C'était pas prévu que ça fasse un fondu dégueu. Voilà. Mais en même temps, ils sont chiants. Hein, pas... En fait, c'est chiant que la transparence s'applique pas. Du coup, je suis obligé de mettre un fond vert et de devoir filtrer derrière. Sauf que, forcément, quand tu filtres en vert et que tu as d'autres éléments qui peuvent paraître verts pour le filtre et que ton truc il est transparent dégueu, voilà. Voilà, c'est un peu perturbant. Bref, après 48 minutes. 48 minutes. D'explication de tout sauf de ce qu'on va faire ce soir. Bref, sinon, n'hésite pas à aller acheter des tableaux chez Namoine Art, Namoine Store, bien sûr. N'hésite pas à aller lui acheter quelques tableaux. La vie d'artiste, c'est compliqué. N'hésite pas à lui en acheter plein, si tu peux te le permettre. Sinon, ne le fais pas. Le but, c'est pas que tu t'appauvrisses. Mais n'hésite pas à en acheter un jour. Parce que cette Xalatat en tableau, que j'ai plus là, que j'ai. Bon, tant pis. Mais la Xalatat en tableau que je t'ai montré, juste avant. Allez, genre, tu peux l'avoir en vrai chez toi. Enfin, pas en vrai chez toi, mais tu peux avoir le vrai tableau chez toi, en vrai, accroché au-dessus de ta cheminée. Et qui va te dire, ah, 26 euros pour ça, au lieu de m'acheter une vieille croûte de chez la foire fouille. Clairement, bonne affaire, bonne affaire. T'as juste 5 euros de frais de livraison, forcément, voilà. Et c'est tout, c'est tout. Et si t'as un locker mondial relais quelque part, et bah c'est nickel. Les lockers mondial relais, c'est certainement la meilleure idée du monde. J'adore cette idée. Mais bref, revenons à nos moutons. Nos moutons qui, bien sûr, sont World of Warcraft, ce jeu pour lequel je me saigne. Mais juste. Juste cette cinématique,
cette cinématique quand même, genre j'arrête pas de la remater en boucle à chaque fois, encore, encore et encore. Et j'arrête pas de re-remater toutes les cinématiques de The War Within. Il y en a deux. Je dis toutes, mais il y en a deux. J'ai juste trop, trop hâte. Tellement hâte que ça finisse par sortir. Parce que, punaise, depuis le temps... Bon, t'entends bien, hein? Ah, oui, d'accord. Normalement, t'entends maintenant. Voilà, tu entends. Bien sûr, si j'ai toujours ma voix grave de meurtrier, bien sûr. Voilà, on va... J'ai ma voix grave de meurtrier. Non, mais s'il te plaît, bug pas maintenant. Allô ? On m'entend encore ? Ah oui, d'accord. C'est juste le stream qui a un petit peu de retard, c'est pas grave. Voilà, on met le chat. Je vais en jeu. Et nous sommes partis. Au pire, je ferai un petit montage pour couper toutes ces minutes d'explications perdues.